Exactement. Attends, j'attrape ma manette, j'appuie sur jouer et je lance. J'attends d'être sur le. J'enlève. Attends, parce que j'ai pas mon retour. J'ai pas mon retour de fichier. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Je vais lancer le bonjour. À Ouais. 3. Un, deux, 1, trois. 2, 3. Pouf! Pastèque. Allez, salut tout le monde. Ben ici Vassam Studio. Bon, on est deux, mais il y en a qu'un qui joue. On va Oui. dire que j'ai ma petite voix, mon petit bonhomme sur l'épaule, on va dire ça comme ça. Oui, Donc je ouais, suis c'est impliqué. Niaki.gg, on est content. Bonsoir. 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 Depuis tout à l'heure, Bonsoir. je t'entends. Bonsoir. 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 Donc oui, on a. Comme c'est vite fait expliqué sur le post Facebook slash Instagram, Ah oui, Instagram. voilà, on prend des petits streams à la sauvette, ne serait-ce que pour s'amuser en fait, parce que c'est parfois difficile de se rejoindre à 4 pour rejoindre Loulou et Imagiro pour faire du Dofus. D'ailleurs, ça devrait normalement pas tarder, et on vous expliquera d'ailleurs que le format ne va pas changer, il sera peut-être un peu plus court, mais dans ce cas-là un peu plus récurrent. Donc on sera content de proposer pas mal de choses. Bref, ce soir on est sur du Dead Cells. Dead Cells, pour ceux qui connaissent pas, c'est un roguelike. Donc en fait, je vais vous montrer vite fait. J'y ai déjà joué, comme vous pouvez constater, j'ai des pots, j'ai beaucoup de pots, et tous les pots correspondent à des armes, des capacités. Bref, je vais vous expliquer rapidement, rapidement, ne serait-ce que pour l'écran. Donc pour l'écran, mon HUD, j'ai sur LB une potion qui me permettra, ben, bizarrement, de me soigner parce que je risque de perdre beaucoup de points de vie parce que je suis très nul à ce jeu vidéo. J'ai un truc sur X, un truc sur Y, ce seront mes deux armes. J'aurai deux armes tranquillement. Et LTRT, des gâchettes pour utiliser des objets. Le but, ben, c'est de passer de niveau en niveau en tapant sur des ennemis et en récoltant du loot. Bref, ça semble, on va dire, un peu normal pour un roguelite et évidemment essayer d'arriver à la fin du jeu. Quoi d'autre pour vous expliquer très rapidement, si en cas vous avez des questions, vous nous les écrivez sur le stream, sur les commentaires. Bref, je serais ravi d'y répondre. Et sur ce, ben, je vous propose de suite commencer un peu le jeu. Voilà, et puis on verra s'il y a des choses à expliquer en faisant le jeu. Alors, les sandales Est-ce de que tu spartiate, peux, je suis pas juste très avant que tu fan. te passes la porte, Oui. est-ce que tu peux bouger les icônes de Discord sur le stream, les mettre plutôt sur un angle en haut à gauche ou à droite? Ouais, je fais ça de Parce que sinon, elles suite. sont sur la map. Je fais ça. Alors, c'est l'overlay. Au pire, je peux le descendre. Non? Tu veux que je le monte en haut? Ouais, disons que là, les maps, on sait qu'elles vont être un peu, enfin, bizarres à apparaître, donc autant que tu les vraiment que tu le bouges, ou alors tu le mets devant tes pièces. Là, c'est bon, là. Si je le mets Vu en que j'ai haut à du gauche. décalage. Ah oui, un angle, peu importe. En haut à droite, pardon, je sais pas dire. Ouais, Ouais, c'est c'est bon, bien, c'est là. Ok. Donc, je prends mes deux armes. Je vais prendre les nerfs d'acier. C'est quoi déjà? Comment ça fonctionne? Je sais plus. Ah oui. Il faut que ça soit jaune. Faut que ça soit jaune pour faire un coup critique. Et les sandales du spartiate, le combo est mauvais. Ok, bon, on va voir. Ok. Ah ouais, mais zéro dégâts. Ok, alors j'ai déjà oublié comment on roule. Bon, on va peut-être reboot. Voilà. J'ai oublié comment on roulait. C'est pas une Ah, des gâchettes? bonsoir. Oh. C'est une des gâchettes pour rouler. Non, c'est le bouton B. Ah, ben non, non, d'accord. Ouais, c'est le bouton B. Bon, au moins on restart et puis ça sera bien. Éclair, je suis pas fan, donc dans ce cas-là, je pense que je risque de prendre ça. Le temps que tu démarre correctement, parce que le premier monde niveau n'est pas tellement intéressant. C'est pour juste compléter, Dead Cells, c'est un jeu particulier dans son développement aussi. Donc la société derrière, c'est Motion Twin. Ils sont français, ils sont de Bordeaux.
Et c'est une société qui est une coopérative, en fait. C'est-à-dire que c'est une hiérarchie horizontale et non pas verticale. Tous les employés de Motion Twin sont décisionnaires au même niveau. Tout le monde a sa voix, en fait. Tout le monde a son mot à dire. Et ça, c'est exceptionnel dans le monde du jeu vidéo. Je crois que c'est les seuls actuellement qui font ça. Et c'est aussi pour ça que le jeu a mis du temps à sortir. C'est parce qu'il a été peaufiné, il a été fait vraiment ils ont pris attention aux détails avec les suggestions de chacun, la prise en compte de suggestions des testeurs et de la communauté, ce qui fait qu'il y a eu plein d'options par la suite, notamment le fait que des viewers puissent interagir directement sur le jeu quand quelqu'un stream, qu'il y ait plein de DLC gratuits, que maintenant il y en a un payant. Tout ça, ça a été des décisions importantes au sein du studio où tout le monde a eu son mot à dire. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose de souligner, tout ça. C'est vrai qu'ils ont joué. Ouais, franchement, ouais. Et sinon, c'est un jeu qui a fait un succès monstre depuis qu'il est sorti, quoi. Et il continue à le peaufiner pendant qu'une partie d'équipe développe déjà un prochain jeu. C'est vrai ? Ouais. Parce qu'à la base, faut savoir qu'ils étaient beaucoup plus sur les jeux navigateurs, les jeux... C'est ça, exactement. Complètement flash, quoi. Et ils se sont dit au bout d'un moment, bon, ben on a envie de faire un vrai jeu. C'est exactement ça. Et ça fonctionne. C'est ça qui est bon. Quoi. Ça fonctionne parce que ça reprend beaucoup les vieux codes d'avant, du rétro, ne serait-ce que dans la patte graphique aussi, mais dans le gameplay. Oh, putain. Lui, il m'a fait peur. Bon, je voyage très vite parce que bon déjà je connais le jeu, je voulais pas le reprendre de zéro parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. C'est incroyable. Mais ouais, c'est quoi ça, c'est nouveau ? Ah, c'est le DLC ? Possiblement, ouais. Je sais pas, ça parle de jardinier. Ouais, il y a une grosse fleur, je pense que c'est le DLC, ça. Ah. Bah écoutez, on va découvrir le DLC ensemble. Ouais. Je ne connaissais pas, donc c'est parti. La serre. Allez. Bon, j'ai pas les meilleures armes du monde. Hein. J'ai pas... Ah, là. Bon, j'ai pas fait de combo, j'ai rien fait. Ouh, qu'est-ce que je suis mauvais, quoi. Pour répondre à la question, non, je n'ai fait que la première difficulté parce que je n'y arrive pas. Mais alors, je n'y arrive pas du tout. J'ai vraiment du mal à jouer. Je suis pas assez nerveux, je pense, ou alors j'y joue pas assez souvent. J'ai joué pas mal pendant un moment, c'est vrai, mais là... Je crois que les coups de poing, c'est bien, par contre. Ouais, j'avais bien aimé les coups de poing. On va augmenter en plus, ça peut toujours être mieux, et je peux pas augmenter celui-là. Je peux regarder les modificateurs, on les verra plus tard. Et comme je suis pas très bon, on va prendre... On va prendre les DPS en plus en cas. Ah oui, une petite note parce que je suis en difficulté 1. Normalement, à chaque fin de niveau, voilà, vous avez cette espèce d'écran là où il y a le... Comment il s'appelle déjà, le collectionneur ? Ouais. Ouais. Le collecteur, pardon. Qui en fait, plus vous jouez, plus sur les monstres vous gagnez des orbes et de l'argent. Et les orbes vous permettent à acheter soit des nouvelles armes, soit des nouveaux pouvoirs, soit du... Là, c'est du cosmétique en l'occurrence. Bref, j'ai débloqué énormément de choses parce que j'ai énormément fait les premiers niveaux. C'est en fait, j'ai beaucoup joué au jeu en fait quand il est sorti. Et j'ai eu donc beaucoup d'avance là-dessus. Depuis, le jeu a énormément changé. Ah putain, je viens de me rendre compte que j'ai fait 2 minutes 02 le premier niveau et la porte s'ouvre à 2 minutes. Je suis dégoûté. Ouais. Bon, bref. Donc il y a énormément de choses, il y a énormément de potentiel dans ce jeu vidéo. Je connais pas toutes les armes, je connais pas tous les secrets. Ce que je sais, c'est que comme je suis en difficulté 1, ça ici, c'est un espèce d'alambic qui permet de recharger ma grosse potion en bas. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser pour me soigner à fond et prendre la fiole de santé plus 1. C'est j'ai 4 charges dans ma grosse popo. Et en difficulté normale, cet alambic sera toujours plein, vous soignera et remplira toute votre potion. Là, apparemment, en difficile, ben, j'ai un peu moins de heal, donc il va falloir que je fasse quand même attention. Et là, ben,
Pour votre bonheur, je vais découvrir une zone que je ne connais pas parce que je l'ai acheté tout à l'heure, le DLC. Donc les monstres, je les connais pas, je sais même pas ce qu'ils font. Ah! Putain, j'avais pas eu la plante. Ok, ça risque d'être le bordel. Non! Bon ben voilà, je suis mort. Hein. Je vais me faire éclater. Ah mais les champignons, par contre, ça je les connais. Ceux-là, ils sont pénibles. Et on peut pas les tuer, c'est... Merde. Oh la vache. Alors, est-ce que ce serait pas mieux de jouer à l'arc vu que je les connais pas encore? Ça serait une idée. Ce que je risque de faire beaucoup dans le jeu parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais, peut-être que la serre, on va oublier, ouais. C'était aussi avec la difficulté, donc. Ouais, on va peut-être repartir sur les zones que je connais un peu. Mais oui, mais la difficulté... Ah, non! La torche, hein. Bon, le boomerang, ouais, j'aime bien. La torche, pas trop. Bon, c'est pas grave, on peut toujours changer, si on veut, tout ça. Surtout que la torche, ce que je lui reproche, c'est qu'elle est longue. Ah oui, donc comme je disais avant de me faire éclater la tronche, ce que je risque beaucoup de faire, c'est dès que je suis dans le vide, comme ça là, je dash vers le bas pour pouvoir faire une onde de choc, qui fait généralement beaucoup de dégâts et qui permet de stun, on va dire, gentiment les ennemis, et de plus leur faire des dégâts. Donc j'en abuse énormément, mais d'un côté, le jeu est comme ça, donc je le fais. Là, il y a un invisible à la con. Je commence à avoir l'habitude des invisibles, ça par contre c'est bien. Et le but, oui, c'est d'avancer soit très vite pour avoir le bonus de timer. Merde, j'aurais dû le montrer là. J'aurais dû peut-être le montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? La carte? Carte et l'orbe. C'est ça l'orbe que je te disais la dernière fois, qui permet de, quand tu touches un monstre, qui te file un plan. Ah déjà les échos toxiques, bon on va... Et la carte en fait c'est... Ben, je pense qu'elle te file la carte du niveau. Je sais pas si c'est de ce niveau ou des autres. Ça serait bien. Quitte si à... ça serait des autres, ça serait un peu abusé. Salut Imagiro. Il y a Imagiro, coucou. Ah là il y a un portail. Bon les portails généralement je me fais éclater. On va voir. La carte te montre tout le niveau dans lequel tu dois. C'est ça, c'est qu'un seul ah, niveau. Quand je l'utilise. Oh, un nouveau plan. Cool. Des trucs que je n'avais pas. Et là, c'est la question. Est-ce que je monte le rouge, est-ce que je monte le violet ou est-ce que je monte la vie? Je vais monter la vie parce que ça peut aussi augmenter là. Hop. Alors, les portails comme ça, c'est que du... Non, c'est pas ce bouton, c'est pas ce bouton. Oh là là. Je sais plus comment on joue, c'est incroyable. Bon, ça va venir. Et merde. D'accord. Personne n'a vu, j'ai pas du tout collé. Ah fuck. Je vais mourir. Dans la zone. Allez, super, voilà. T'es allé trop vite. Bah ben oui, mais il y avait des trucs au plafond et je voulais aller vite, ouais. Alors, Jerry, ce cadeau pour ton anime, ça m'avance l'Imagiro. Oula, alors Imagiro, pour être tout à fait franc, je ne suis pas ça en direct, en fait, je m'en occupe pas vraiment. Je laisse faire et je verrai le jour J ce que ça donne. Ah, j'aime bien le fleuret, mais il a été nerfé avant, c'était tellement plus fort, quoi. Eh merde.
c'est Jean Fleury, Jean Targe. Putain, mais... Il est où, l'autre? Ah ouais, t'es parti l'autre. J'essaie de prendre de l'or et des cellules. Vu que je ne peux pas faire autre chose, tellement je suis merveille. Non. Ah, avant, le Fleury, c'était tellement bien. Maintenant, c'est devenu moins fort. Bon, après, c'est vrai que c'était... Putain. J'ai pas encore l'habitude d'esquiver, putain. Bon, je suis mauvais, c'est incroyable. Aïe aïe aïe. Repart en difficulté normale après. Ouais, hein. Je vais faire ça, hein. J'y arrive pas. Juste pour voir au moins les nouvelles zones. Bah oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc ouais, je vais faire ça. Ouais. Prochainement. Imaginez que j'aimerais m'en faire un quand même, donc j'aurais peut-être pas longtemps. Bah. En fait, le projet, moi je l'ai déjà, Imagiro, le salon je l'ai déjà. Et dès que le truc est clôturé, je vais au salon prendre rendez-vous. Si on va donc, par là, ça fait des années que moi j'ai mes projets, mais je ne fais pas. C'est sûr. Mais peut-être que ça te donnera le déclic, hein. Ouais, non, mais j'espère, hein. Non, du coup, toi, Imagiro, c'est quoi que tu veux faire, je pense. Ah, ça. C'est autre chose. Imagiro, du coup, c'est quoi que tu veux faire, toi? Une licorne. Un poney. Éclair à la manie. Il veut se faire un poney. Tu vas dans quel salon? Ah tiens, faudra que je le dise sur un post que je sens. Ça sera le salon Sorry Family. Donc Sorry Dad ou Sorry Mom, on verra selon les artistes présents. Ça sera Sorry Family. Ouais, ouais, des bombes, génial. La bombe à huile qui me sert à rien, la bombe au gelée qui peut être bien. Alors Imagine, il va faire un petit calamar sur l'intérieur du poignet. Oh, ah, c'est cool ça. Franchement, ouais. Ça, j'aime bien. Un pachimari. Un pachimari. Non, c'est plus un woumi. Ah bon. Attends, mais c'est quel art que j'ai? C'est le fantassin? Oui, celui qui fait des coups critiques au corps à corps. C'est pas ouf, celui-là. Attends, j'ai pas pu choisir. Hein. Mais il a traversé la tête du premier. J'ai peut-être pas tout lu sur mon arc. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui était lancé, ouais. Au moins que ce soit une flèche avant. Attends, j'ai regardé. Les tirs transpercent le premier ennemi. Bon bah voilà, au moins c'est écrit. Alors, qu'est-ce que je... une grenade. Non. Obtenir des objets de catégories diverses. Capacité aléatoire. What the fuck. Non, mais c'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est je choisis la catégorie et il me file. Ouais, bon. Eh bien, j'en veux pas. Aïe aïe aïe. Le dé, il fait quoi? Le dé, il permet de relancer, j'imagine, le magasin. Mais c'est, j'imagine, oui, c'est forcément ça. Il y a un truc invisible là. Voilà, tu m'as soudé. Oh, une cerise. De coup, pas main. Merde, j'ai pas le droit, je suis pas sponsor. Allez, la promenade des condamnés, on va faire des trucs simples. J'ai pas regardé mon compteur de kill. Enfin bon. En même temps, voilà, 3 minutes 30, ça m'étonnerait. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente des nouvelles armes? Oui, les tenues, je m'en fous un peu. On va tenter des nouvelles armes. Le javelot de guerre, la tueuse de géant, la lame à fragmentation. Bon, allez. De toute façon, c'est ça, hein. Je l'aurai peut-être pas ce soir. Sauf si je sais pas combien... Merde, j'ai appuyé. Tant pis. On va prendre l'arc en plus. Tire une flèche en arrière. Voilà. C'est... Est-ce vraiment utile? Et enchaînement. J'aurais pu prendre le truc. Bon, on verra. Mais moi j'en ai plein des projets, si tu comptes. J'aimerais bien me faire un chat du Cheshire, j'aimerais bien me faire une Triforce. J'hésite énormément à me faire un rondoudou, enfin tu vois, des conneries j'en ai. Moi. À la limite, tu peux commencer par la Triforce, c'est pas le plus difficile, ouais. C'est pas le plus bon. Comme ça, tu vois comment ça se passe. Et c'est surtout que c'est pas une Triforce, genre la Triforce normale. Hein. C'est...
C'est la Triforce, elle a le signe des déesses que je vois, moi. Le signe des déesses de Wind Waker, hein. Alors, ces chauves-souris, c'est l'enfer sur Terre. Ça va, easy. Je devrais plus utiliser mon arc vu que je l'ai augmenté, ça serait cool. Puis c'est traverse le premier tour. Au revoir. Non. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? C'est quoi ça? 100% de dégâts infligés aux ennemis, 100% de dégâts subis. Ouais, alors non. Par contre, on le recycle. Ouais, Imagiro, oui, je m'en doute un peu. Mais du coup, peut-être que... comment il s'appelle ça? On porte la Cour des Miracles, pourrait peut-être plus convenir pour toi, mais c'est pas les mêmes tarifs après. La Cour des Miracles, ouais, c'est faut lui, que ça. Je demande à Max, parce que Max, il a un pote, il a fait Calcifer. Oui. Sur le bras d'Olivia, il est magnifique. Il est très spécialisé dans le rouge et dans le noir. Non, pas comme Sandal. Et... Maxime hésite beaucoup à se faire un sans-cœur. Genre le sans-cœur avec un vrai cœur humain en dessous, quoi. Genre pas le petit cœur de Disney, le vrai cœur. Ouais. Donc j'ai vu le dessin, il est joli. Il a fait Majora's Mask en noir et rouge, il est magnifique. Enfin, il est très très calé niveau dessin, dessin, jeux vidéo, tout ça. Ouais. Oh non. Là, je peux pas toucher les ennemis à cause de ce putain de mannequin de con. C'est bon. Je crois que je vais sortir ton i en tant que... Non. T'imagines la sonnerie de réveil? Ouais. Je le combine avec ton cri lors de l'araignée dans Dead Cells. Non, Hollow Knight. Calcifer est un peu plus coloré. Ben en fait, il est juste en rouge et noir. Ça rend vraiment pas mal. J'ai envie d'une nouvelle arme. Parce que le fleuret, c'est... Oh putain, c'est de pire en pire. Et si je le relance, j'aurai pas de fric. Attends, juste le dé. Merde, je suis trompé. Ah super, je peux avoir un fleuret pour avoir un fleuret. Okay. Bon, je me suis fait niquer. Et en plus, je me suis soigné. Je suis dégoûté. Bravo. Attends, c'est une blague. Et en plus, il y a une boutique juste là avec d'autres armes. Putain, je me suis fait niquer tout mon fric. J'hésite entre bleu et rouge. Alors, du peu que j'ai compris, que j'ai suivi sur toutes les recherches et les gens que j'ai rencontrés par rapport au tatouage, Imagiro, le rose restera un peu plus que le bleu. Le bleu se dégradera plus vite, apparemment. C'est bizarre ça d'ailleurs, qu'il y ait des couleurs qui collent plus à la peau. Ouais. Après, rose sur peau, c'est vrai que... Bah, ça dépend, hein. C'est... Faut que ça soit bien ça rose. Ça dépend quoi. Comment c'est fait, ouais. Je veux la cerise de ouf. J'ai mis que des fruits en... Ah, je sais pas si tu as vu, on peut changer le régime alimentaire dans le jeu. Mais c'est le poulet en fait, les fruits, c'est ça? Ouais, le poulet, ou tu peux mettre des trucs de Castlevania, tu peux mettre... D'accord, mais du coup ça change rien, ça ramène le mal... Végétarien. Non, c'est pareil, oui. C'est exactement pareil. Bon, on va faire du rouge, parce que j'ai deux bonnes armes. S'il y a un succès, manger tous les aliments différents. Non, je crois pas. Ou alors il est caché. Il est pas dans la liste des succès de base. Après, il y en a des cachés, putain. Ah, alors, des pièges. C'est quoi les capacités diverses? Oh, il y a le hibou. Oh putain, je veux le hibou. Mais j'ai pas d'argent. Ah, fait chier. Faudrait que je tape un peu plus de monstres, quoi. Après, j'ai pas vu sans le monstre. Ça, j'en ai pas vu. Ah, ça là, elle est bien. La nuée, j'aime beaucoup. T'as vu, je recycle ça. Si un jour tu cherches toutes tes clés du jardinier, t'en as une qui est dans un pot sur ce niveau. Il faut la taper. Ah oui. Ah putain, j'arrive pas à monter. Non. Là, vous ne me toucherez pas. Oh. Attends, mais j'ai ça. Imagiro, si
t'es en vocal quelque part, tu peux nous rejoindre, c'est pas un souci. Ouais, si tu veux, ouais. La la la. Loulou, je cueille des pommes. Et encore. Putain de. Ça. Ah. Oh non. Aïe 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 aïe. Je vais me soigner. Il y a un monstre élite. Oh non. C'est pas grave. Tiens, 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 tiens. Merde, j'ai besoin. Oh là là! Arrête de te téléporter, c'est bon. Nul, zéro. Oh! J'ai un fouet légendaire. Eh bien, on va prendre le fouet électrique légendaire, voilà! Pas mal. Youpi. Il t'a rien fait en dégâts, l'élite. Parce qu'en fait, la nuée l'a complètement claqué au sol, quoi. Ouais. Genre, complètement. Oh, t'as des larves, merde, mignon. Et merde! Et regarde un piège. Waouh, je meurs. Ta gueule. Je suis tellement nul, c'est incroyable. Oh, le marais des fugitifs. Okay. Attends, quoi? C'est quoi le marais des fugitifs? Ça me dit rien. Eh ben, c'est parti. Actuellement dans mon lit, je regarde le stream et cherche des salons avec l'affichage fractionné de mon portable. Cher. Des salons, c'est-à-dire des salons des conventions, parce que là tu risques de pas en trouver beaucoup. À cause du Kirbyrus. Le fameux COV-18 de merde là. 19. Ah 19. C'est presque pareil. Un chiffre près. Attends, mais c'est quoi cette map là? Je la connais pas ça. Je sais pas, ça me parle pas. C'est la. Une mine. J'ai fait pas mal de cellules. Salon de tatouage Baka. Ah. Oh putain, j'ai encore appuyé. Non. Voilà, merci. Tu l'utilises vraiment de la. Bah, je... ouais, en fait, oui, tu l'utilises. De quoi? La forge mineure. Ouais. J'hésite à prendre la nécro. D'être soigné à chaque fois. La forge mineure. Ah merde. Je l'ai jamais vraiment utilisé là. Bon, voyons voir ça. Mais attends, mais je la connais pas cette map. Hein. C'est une nouvelle map, non ? Fugitif, c'est nouveau. Oh merde. Ça veut dire que je vais pas connaître les monstres. Je vais alors me faire torcher la tête sur le premier. Si j'arrivais, il va me faire. Il y a une porte. Je sens que c'est un boss. Oh oui, c'est fort possible. Oh putain. Doubidou. Qu'est-ce que c'est? Enculé! Il fait mal, wesh. Attends, monsieur. Ah, c'est lui. Aïe, 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 il fait mal. En fou, je l'ai annué, tiens. Ah, là, là. Mais il fait trop mal, c'est incroyable. Oh la vache. Oh, il est super rapide, il va me tuer. Mais super, j'ai gagné une mandoline quoi. Mais il m'a retourné la tête. Mais c'est quoi ce monstre de merde? C'est quoi ça? Ah ça je connais. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Mourez. Sautez. Atterrissez. Mais avec les sarbacanes de merde là. Meurs Francis Cabrel. Ah, je les connais. Bon, on va falloir se déplacer vite à cause des conneries de. Oh. J'ai bientôt plus. J'ai plus de tension. Il y avait des mecs du plafond là, j'ai pas rêvé. Oui. Ouais, il y a des mecs au plafond. J'adore. Mourez. Oh là là. Mourez. Pika.
En vrai ça va parce que mon fouet il fait des nuées. Donc c'est bon. Ah le gros squelette il aime pas. Celui avec la grosse épée. Oh non, il y en a un autre. Ouais non, c'est pas drôle ça. Oh là là. Ah mais non. Il est insupportable. Oui, parce qu'en fait, c'est pas du tout. Ah bon? Non. C'est bien. Ah putain. Mais putain, mais si tu passes derrière, c'est mort. Si tu passes devant, c'est mort. En fait, faut pas passer derrière. Je sais ce qu'il y a devant. Ou pas. Oh bordel. Mais quel connard! Mais je voulais ma mandoline! Bon, on va repartir en normal. Oh non, tu étais presque! Ouais. Mais c'est quoi ces monstres de fou, quoi? C'est des malades un peu dans leur tête. Wesh, je suis pas d'accord. Allez, on repart en normal. Voilà. Bon, c'est pas grave. On dirait que quelque chose a changé. Oui, la difficulté, Connor. Oh, le bain de sang. Le bain de sang, c'est bien. J'aime bien le bain de sang. Ah oui, donc on revient sur les... C'est une blague, j'ai déjà pris un dégât, quoi. Oh, mais quel nul. Même avec le bain de sang... Mais le Ben Sang il cancelle pas les auto-attaques des méchants, c'est dommage. Mais ouais, sinon tout le monde te dira, ouais, mais de toute façon, moi je suis allé dans ce salon de tatouage parce que si, parce que ça, et puis tu vois, c'est les meilleurs. J'ai reçu Pokémon Donjon Mystère en fait. Ah, tu l'as commencé? Tu l'as commencé? Allô? 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 Ouais. Ah, j'ai eu un souci, je crois. C'est Discord ? Ou c'est toi ? Non, je pense que c'est moi. Oui, donc je disais, tu vas commencer ? Je l'ai commencé, je suis à une heure et demie de jeu. Attends. Il va falloir que tu me dises. Le jeu, t'as choisi qui ? Psycho-quack. T'as un psycho-quack. Ouais, mais du coup, je l'ai gardé parce que même si je suis pas super fan, au final, je trouve ça rigolo. Et en acolyte, j'ai choisi Miaouz parce que j'avais pas envie de prendre un Pikachu, un Evoli ou un truc. Ouais. Voilà, mais après, le jeu, apparemment, le test de personnalité est plutôt bien fait. Genre, ah non. Fugil avec Gobu. Et c'était soit lui, soit Psycho Quack. Ah non, moi, à part les mots de crâne de Psycho Quack, tout le reste, c'est des bidons. Hein. Oui, non, mais ça, oui. Apparemment, c'est pour refléter. Oh là là. C'est même en normal. Oh, t'as un plan. Non, normal, je ramasse, quoi. C'est incroyable. La nullité est un vilain, t'es fort. C'est quoi, ma mère, elle te dira. Ouais, moi, je suis allé là-bas parce que. Oh, attends, on provoque saignement. Et saignement provoque un peu. Je viens de voir ce que tu m'as tag et je me doutais un peu que c'était ça. Par contre, j'espère que c'est bien le paint exactement. Tu veux exactement celui-là. Tu iras dans le canal auberge et il y a qui voir l'île. Le quoi, pardon? J'ai pas entendu. Dans le canal auberge, c'est Majuro, il a mis ce qu'il aimerait se faire tatouer. Ah. Et j'espère que c'est vraiment le dessin paint exactement ça. C'est trop bien. Non, moi j'ai des idées, mais j'ai pas les dessins. C'est vrai. J'ai pas les dessins, j'ai pas. La dague d'assassin, c'est bien ça. Bah, après, ça peut être en discutant pas mal avec les artistes que tu vas possiblement rencontrer, c'est voir un truc original aussi. Ça peut... Bah, moi, déjà, le chat du Cheshire, je suis désolé. Alors, j'aime le perso, mais pas celui du Disney, quoi. Oui, les deux. Pour le design, ouais. Enfin, celui que j'ai en display, c'est inspiré du dessin animé, mais il est beaucoup plus joli, quoi. Donc, ouais, je sais pas.
Et je sais plus. Enfin, je savais plus trop où le faire. J'avais une idée, c'était sur les pecs. Enfin, sur l'espèce de masse graisseuse que j'ai à la place des pecs. Et la triforce sur les poignets. Et je sais plus ce que je voulais. Putain, je voulais tellement de choses. Ah oui, un ours. Ou une patte d'ours dans le dos. Mm. Soit un ours, soit une patte d'ours, et dans le dos ou sur l'épaule. Mais oui, l'ours, évidemment. Je suis con. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Aïe, aïe, aïe. Et c'est Franklin. Attends, mais ma dague d'assassin va vachement bien avec mon couteau de lancer. On va essayer d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que je prends en premier? Est-ce que je prends les munitions? Ouais, comme ça, moi, j'aurai plein de couteaux de lancer. J'en ai plein. Je vais devenir Naruto. Je suis Naruto. Je suis fou. Aïe, aïe, aïe. Après, voilà, quand tu penses à un tatouage, il faut qu'il te suive longtemps. C'est le problème, il faut trouver des trucs qui te suivent longtemps. Ah, bah, t'as la fleur que je te parlais. Ah, bah, je la frappe, mais ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà dessus? Je sais plus. Ah, oui, voilà ça. Eh, bah, moi, je les ai toutes en plus, les clés du... Enfin, j'ai accès à toutes les clés du jardinier. C'est pour avoir le plan de l'arbalète explosive. Elle est trop forte, cette arme. Eh merde, j'ai pas vu en dessous. Et puis j'avais dit qu'il fallait d'abord les... Voilà. D'abord le petit couteau lancé, là, et puis pouf. Voilà. Là, j'ai un bon combo d'armes. Je suis content. Après-demain, il y a Ori and the Will of the Wisp. Après-demain ? Ouais, c'est le 13. Non, le 11. Donc en fait, c'est... Bon, on va dire qu'on est encore lundi soir très tard. Mais ouais, c'est bientôt, ouais. Ils sont mercredi. Je regarde ça, Imagio. Et c'est Franklin. Pourquoi j'ai ça en tête? Ben, c'est toi qui l'as chanté. Mais oui, mais pourquoi j'ai ça en tête? C'est la question. Les couteaux de lancer, ils sont vraiment forts. J'en prends spécifique. Tellement fort que je prends des coups. Quel con. Hein. Oh, une pastèque! Je crois que j'ai mis végétarien ou fruit. D'accord. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Je voulais que ça change. Doubidou, badi, 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 dou, dadé, dou. Ah, mais attends, mais j'ai pas de crâne. Ah. Non, je veux ça. Je veux le hibou. Yes! Oh putain, la danse des couteaux, c'est fort aussi. Mais il me faut de l'argent pour... Non, on va d'abord faire le hibou, là. Voilà. C'est bien, lui. Il est fort. Il fait pouf pouf, le hibou. Il faut pas que je prenne de dégâts, je crois. Ouais, les clés des jardiniers, c'est pour ici, en fait. Là, j'en ai ouvert une. Et après, j'aurai quoi? J'aurai l'espèce de vol de sang. C'est pas ouf, comme temps, enfin... Allez, une deuxième clé du jardinier. Hop. Donc on va la poser de suite. Mais après on pourra le revendre, ça c'est bien. Il y a de l'argent aussi. Un peu d'argent. Non, le temps que je modifiais un truc et je répondais à Imagero, j'ai pas compris pourquoi t'as une chouette qui te suit. Parce que j'ai un pouvoir de la chouette en bas. Je l'ai acheté en fait. C'est nouveau. D'accord, enfin, et... c'est nouveau. C'est relativement nouveau. Et elle va attaquer les ennemis en même temps que moi, mais là j'en trouve pas des ennemis. D'accord, et je peux même la booster pour qu'elle fasse un... pour qu'elle ait un meilleur taux d'attaque. Okay. Mais vu que c'est un être vivant, elle peut se faire attaquer? Elle meurt si je prends un dégât. Et j'ai un cooldown de 20 et quelques secondes. D'accord, ok. Mais elle est plutôt balèze, regarde. Tic 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 tic. Ah d'accord, elle lance des... Ah, elle lance des petits couteaux. Oh putain, il y a un élite. Encore? Putain, mais... Alors l'élite, je peux lui faire très mal.
arriver. Oh putain de mur de... Voilà. Je lui fais très mal, mais bon. Empoisonné, c'est Nick qui vous blesse, ouais. Là, tu vois, j'ai pris un dégât, donc j'ai 20 et quelques secondes là-dessus, quoi. Après, c'est fort, hein, c'est... Moi, je m'en cache pas, la chouette, quand je l'ai vue, j'ai fait « Ouh, c'est bien !» Et j'ai eu une fois la chouette légendaire, crois-moi, ça a carry. Si j'avais juste à esquiver, j'étais content. Oula. Descends, voilà. Oh putain. Un petit secret. Aïe aïe aïe. C'est nul, la bombe à huile, j'aime pas. Hop, je peux la réinvoquer. C'est trop bien, la chouette. J'utilise beaucoup plus mes couteaux. En vrai, je peux faire un stuff tellement loin, là. Full couteau, full chouette. Juste en esquive. Ça peut être bien. Parce que j'ai pris le truc pour avoir plus de munitions, en plus. Je devrais l'utiliser plus souvent. Faudrait faire du Mont Blanc plus souvent. à l'aide. Il est où le... Ah, il est là. Ok, maintenant on peut toucher les gens. On peut rejouer. Ça se passe mieux bizarrement quand on tue les gens. Le marais des fugitifs. Est-ce que je le fais en normal? Ah, je sais pas. J'hésite. Et c'est... Putain. Ah, la dernière clé du jardinier. Voilà. On va la poser de suite. Ah merde, c'est pas là. Bon, bah, j'attendrai le prochain... Ah, mais il y en a un là de téléporter. Hop, c'est où? Là. C'est ça, vampirisme, c'est vraiment, mais alors vraiment pas ouf, quoi. Parce que ça s'utilise qu'une fois, en fait, ce sort. Genre, c'est un sort unique. C'est tout. C'est pas ouf. Que dire d'autre sinon sur le jeu? Je sais pas. Niveau gameplay, tout ça, bon. Après, je pense que ça s'explique un peu vraiment ce que je fais. Ceux qui veulent vraiment se pencher sur l'univers du jeu, les conditions de développement, ouais, bon, les valeurs qu'il y a derrière, il y a un excellent documentaire qui a été fait par Game Spectrum sur YouTube. C'est vraiment à voir, ça dure une cinquantaine de minutes, mais c'est génial. Super, j'avais fait un x30 combo. Pourquoi je l'ai pas affiché d'ailleurs ça? Ça devrait. Hein. Ouais, le tranche ligament, c'est chouette, ça fait du saignement, ça fonctionne encore mieux avec mon. Avec mon stuff, c'est pas mal. Je suis pas méga fan de la grenade magnétique. De là? Ça dépend de comment c'est fait. Là, vu que j'ai un stuff pour jouer loin, c'est bien. Bonjour, voilà, c'est si je fais ça, toc, je peux one shot. Déjà, vu que j'ai beaucoup l'habitude de rouler derrière le dos des ennemis, ma dague assassin fait des dégâts et en plus, ça fait des dégâts sur ceux qui sont en train de saigner. Comme mon poignard fait saigner, ben, c'est tout bénef, quoi. Oula. Une petite phase. Bon, je vais vous laisser. Eh ben, bonne soirée. Imagiron, on se revoit vendredi au plus tard. À toutes. Tiens, on dirait qu'il y a un truc au-dessus, mais je sais pas comment y aller. Ah. Bon, c'est pas grave.
On continue dans les profondeurs de la prison. On avance un peu. Et je vais regarder mes options. Pourquoi j'ai pas mon compteur de... Options. Régime alimentaire. Ah ouais, c'est ça, régime alimentaire. Il y a carnivore, Castlevania, végétarien, frugivore, monstrueux et baguette. Je pourrais Baguette. manger des baguettes. Allez, on va prendre des baguettes. Au niveau du gameplay, roulade prêtre, roulade intelligente, non. Désactive les annonces, non. Affiche le nombre de monstres tués sans être touché. Voilà, c'est ça que je veux. Pour savoir où j'en suis, c'est bien. Il en fallait 60, je n'en ai fait que 20. Enfin, 30 plus 20. Oh. Le régime de Castlevania, est-ce que c'est quoi exactement? Je sais. Bah, je crois que c'est les potions de Castlevania. Je crois. Je l'ai pas fait, c'est vrai. Et j'ai pas d'argent. Putain. Bon, allez pour le grand-duc. Sur les cibles gelées. Non, c'est nul ça. Sur les cibles empoisonnées. Ah, ça c'est bien parce que mon poignard il empoisonne. Bon, bah j'ai un bon stuff. D'ailleurs, je l'ai pas remise là. La chouettasse. La 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 la. Ah non, pas toi, hein. Au revoir. Alors ça, en fait, c'est un coffre maudit. En gros, il a un bon loot. Et il a un peu sadomaso aussi. Mais le problème avec ce coffre, c'est que, ben, si on le prend, malheureusement, on doit tuer 10 monstres sans mourir. Voilà. C'est la punition pour avoir un bon loot. Oh là! Pourquoi l'autre il était invisible? Ah, il y a de la brume. Elle est où? Elle est en dessous. Y a des monstres dans ce niveau qui font de la brume et qui empêchent donc de voir les ennemis. Allez. Alors, pour information, tu aurais pu prendre le coffre. Pourquoi? J'ai compté les 10. Hein? Tu t'es pas fait toucher du tout en fait, donc t'aurais pu le prendre. Ah oui, mais bon. Ça me met la pression pour rien. Bon. Ah si, moi ça me met la pression pour rien. Oh là là. Oh là, c'est quoi ça? Cassez-vous! On dira ce qu'on veut, les poignards ils font leur taf. Le poignard à la chouette là, c'est pas mal. Attends, ils sont buffés, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? C'est quoi cette orbe de merde? On va mettre une petite tranche ligament et on se casse. Ah. Bon, on va utiliser le pouvoir de la chouette en plus. Putain de merde. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un croissant. Mais c'est quoi cette orbe là? Éliminer les ennemis proches d'abord. Ah putain! Je vais avoir un super loot, je pense. C'est bon? Ah ouais. Inflige un coup critique si vous avez subi des dégâts il y a moins de 8 secondes ou si vous êtes maudit. Ah putain, c'est un... Intéressant. 60% de dégâts sur les... Sur les cibles empoisonnées. Les victimes gèlent les autres victimes. Après, mon couteau de lancer, il empoisonne. Bon, allez. J'espère que je vais pas le regretter. Ouais, non, ça va aller. Attends. Non, ça va, ça c'est... Ça se manie bien. Oh là! Ah putain, meurs-toi.
peux voir les ennemis, merci. T'as pas pris ce qu'il y avait dans le mur ? Pardon ? Tu n'as pas pris ce qu'il y avait dans le mur ? Où ça ? Oh putain. Vu qu'en plus t'as du décalage. Ah putain, ok. Donc, j'ai 15 secondes. Ouais. J'ai trouvé. Je l'avais pas vu. Pourtant tu t'es collé contre. Hein. Ouais. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai pris que oui, j'étais vraiment collé à ça et je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Ah, du magasin. Pourquoi j'ai pris une arme de corps à corps ? Oh putain, il y a la dague assassin. Sachant que je viens de choper un truc légendaire, je suis con ou est-ce que je fais exprès ? En ce moment, j'aurais eu des couteaux de lancer à peine plus fort, ça aurait été peut-être bien. Je sais pas. Oh là là. Arrête, espèce d'encensoir ardent là. C'est pas le bon jeu. Ouais, ça a l'air bien ce qu'ils font sur le TFT. J'avais lu déjà un peu avant. Ouais. C'est le troisième set, il est rigolo. Autant le deuxième, ouais, il était chouette quand il est sorti. Je m'y suis pas mis parce que j'ai trop de choses à faire dans ma vie. Mais il avait l'air bien. Ah, j'ai une clé, c'est quoi ? La clé des géoles à enfer. Wow. Je suis un peu en train de les ruiner là, ça fait du bien. Je pense que même avec ce stuff, j'aurais pu leur faire. Ah, c'est ça! Les géoles en fer. Ah, il y a une étoile sur la nuée. J'aime bien la nuée. Bon, allez, on va le prendre. On va prendre la nuée. Comment votre vitesse de déplacement? Waouh, génial! Grosse étoile. Bon, tant pis. Là là là. Oh, le charnier, ou le charnier, je sais plus. Ou le marais des fugitifs, encore. Bon, je suis en normal, j'ai un bon stuff, on va tenter le marais. Cool. Je vais me faire défoncer. Mais non. Mais si, je vais mourir. Ah. On dirait qu'il y a quelque chose dans ce putain de truc. Non, il y a rien. Même pas la tête, non, je sais pas. Alors, on va faire, ouais, toujours la lame à fragmentation. Et là, j'ai un meilleur stuff. Ah. Une victime du saignement le propage autour d'elle. Les tirs transpercent le premier ennemi. Merde, j'ai perdu le poison. Oh non. Ah non. Ouais, si, bon. Ouais, c'est pas mal. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Allez, on va prendre ça. Ah putain, j'ai mal joué là. Non, on va prendre la nécromancie. Bon, en espérant que ça se passe mieux que tout à l'heure. Déjà, on invoque la choumirette. Meurs. Ah putain, toujours aussi rapide. Hein. Oh merde. Bon. Faut que j'utilise plus mon arme corps à corps, je pense, dessus. Oh là là. Bon, au moins les. Sarbacane en prennent cher. J'ai oublié de réinvoquer ma chouette. Le problème, c'est voilà, avec ce genre de monstre, la chouette elle dure pas longtemps. Par contre, je vais hésiter. Pourquoi du coup ? Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Genre rom, je suis une voiture. Aïe. Mmh.
con. J'avais un truc en bas. Ça, si tu veux redescendre. Ah, j'avais un truc en bas. Et je monte. Je suis con, moi. J'avais un truc en bas. Ah oui, en effet. On va augmenter mes points de vie. Parce que les points de vie, c'est la vie. Littéralement. Elle était nulle cette phrase, hein. On la refera plus. Jean-Claude Van Damme. Faut boire de l'eau, dans 20 ans il n'y en aura plus. Enfin maintenant, attends, ça fait un bon moment qu'il a dit ça lui. Ouais. Faudrait voir s'il a eu raison ou pas. Il y a des chances. Ouais. Bon, mon stuff est un peu cassé, c'est vrai. Enfin, pas cassé, mais il est fort. C'est faux se le dire. Ah, marchand. On va chercher une nouvelle nuée. Non, on met rien, on s'en va. De toute façon, on a plus d'argent. C'est bizarre. Avant, j'avais de l'argent dans le jeu. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ah, il y a écrit cellier. Et il y a écrit cellier. Et j'avais pas remis ma chouette. Mais c'est quoi cette zone à la con? Soit. On avance. Il y a des nouvelles zones maintenant, complètement coupées du temps, qui amènent un peu d'éléments de l'or et tout. Je sais pas si tu les as déjà vus. Oui, mais ça fait depuis plusieurs mises à jour déjà. Oui, depuis Rise of the Giant. Ouais. Ouais, et c'est franchement cool, parce que c'est vrai qu'au début du soir, ouais, on n'est pas trop. Ah, c'est vrai, j'aime bien aussi. Ah, putain. Quelle bande de pénibles, c'est Sarbacane. Merde. Après, je les atomise avec mes couteaux de lancer. Genre vraiment. C'est fort. Hein. Wow. Même là. Ah, deuxième monstre. Meurs, reculé. C'est bon, il est mort. Tu vas voir, je l'ai un peu atomisé. Genre à peine. Oui, en effet. Et ah, j'ai gagné la mandoline. Oud. Mandolinette. Oula. Ah, je vous entends là-haut. En vrai, le truc d'aller très vite, c'est balèze quand tu te fais la main dessus. Ça peut être complètement le piège, mais c'est pas mal. Non. J'ai une bonne nouvelle. Mmh. Colin a peut-être un logiciel de montage qu'il a payé 200 euros. Hein? Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais c'est... Oh là là. Non mais il l'avait depuis un moment. Hein. C'est, il l'avait depuis apparemment août d'Anas. Ouais, Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, il est un peu bizarre parfois. Il aime bien acheter des trucs. Oui, moi aussi, mais je mets pas 200 balles dans un logiciel. Ouais. Merde, j'ai plus ma chouette. Je disais, il manquait un peu de PS. J'ai pris un dégât? Sur quoi? Je sais plus. Ah merde! Lui, je l'ai vu par contre. Des dégâts. C'est incroyable la vitesse à laquelle je les annihile. On va reprendre un peu de vie. Non, on va prendre ça. Ça va pas la tête. Pourquoi de la vie qu'on peut prendre encore plus de DPS? Ah, il y a un élite. La chouette est là. Attends, il est protégé par quoi là? Bon, mais il est mort. Il était protégé, mais ça c'était avant.
Esquiver crée un nuage toxique. Oh, mais c'est trop bien. Je suis Poison Land. Oh non, il y a le retour du monstre pénible. Mm. Et je me suis soigné parce que je voulais voir la carte. Voilà, évidemment. Putain. Parce que dans Okami, c'était le bouton pour faire la carte, mais dans celui-là, c'est pour soigner, bordel. T'as pas recyclé le talisman ? Hein ? Tu n'as pas recyclé le talisman ? Ah putain, c'est vrai qu'on peut. Je vais le faire en descendant. Alors, j'ai vu qu'on pouvait monter, donc je le fais. Oh, oh là, il y a du monde. Bonjour. Bonjour, c'est pour parler de notre cher ami. Jésus-Christ. Attends, il y avait écrit ouvrir là. Ah mais non, c'est une porte. Ouais, mais je suis pas en difficulté. Hein. Non, bah j'aurais pu l'ouvrir si j'étais resté en difficulté. Et qu'est-ce que tu fais ce truc ? C'est quoi ça ? Une stèle avec 4 trucs dessus. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un hôtel. J'ai envie de l'activer. Et la tanière, ça c'est un nouveau truc. J'ai envie de l'activer l'hôtel. Allez go. Oh dommage. Je pensais que ça allait me tuer. Le mec ça, je pensais que ça allait me tuer, je suis dégoûté. Je rigole par rapport au texte. Oui, c'est bluffant. Ben, j'ai vu qu'il y a un autre boss en bas. Je vais essayer de clean toute la map pour voir les possibles choses vu que je connais pas. De toute façon, le temps, je suis pas là pour ça. Mais t'as fait gaffe au dessin de l'hôtel ? Oui, c'est des yeux chelous. Ok. Et on repart sur lui. Ah, gueule. Bon, eux maintenant, ça devient une partie de plaisir. Oh merde, je suis tombé. C'est quoi déjà la choumirette hein ? J'ai oublié dans quel jeu c'était la choumirette. Je sais plus, putain. Ah, mais ils sont cons, eux. La choumirette. Ah, je sais dans quoi c'est. C'est dans Kingdom Hearts Dream Warp Distance. D'accord. Il y a un esprit qui s'appelle ben, la choumirette et qui, bizarrement, est une chouette. Oh, j'ai une sarbacane. Oh, je vais pouvoir être Francis Cabrel. Avec ma mandoline et la sarbacane, j'ai tout gagné. Mais... Il faut une grosse moustache et un accent du sud. J'ai pas la grosse moustache, mais j'ai l'accent du sud. Petite Marie. Putain, on aurait dû renommer le stream Francis Cabrel le retour. Francis Cabrel Gaming. Putain. Après Jean-Marie Le Pen Gaming. Ouais. Il l'a pas fait d'ailleurs, Francis Cabrel. Maintenant que je le dis, sûrement, ça me paraît. On dirait que j'ai peut-être oublié l'idée. Je sais pas, je regarde. Oh la hache qui revient là. Bon, j'ai fait toute la map. Et j'ai failli me re-soigner. Enfin, je crois que j'ai fait toute la map. Non, j'ai pas fait toute la map. Je vais y aller là-haut. Je vais le faire, je vais braquer le mini-marché. Bah, apparemment, il n'y a qu'une sortie. D'un côté, ça m'arrange, ça a l'air bien. Il y a un grappin là. Il y a un objet, c'est quoi ? Ouf. Mais. Oh merde ! Oh, c'est vraiment pour continuer là quoi. Mais. Il m'énerve ! À courir. Ah vas-y, je vais le faire. Ah, trésor. La croissant. Ah, j'ai découvert une salle au trésor normal. Ça, c'est bien ça. Oh, l'arbalète explosive. Mais je crois que ça me fait mal aussi à moi. Bon, tant pis, mon stuff est cassé, je vais pas la prendre. Ah, quand même. Non, la prends pas.
Je suis bien là, donc je vais continuer comme ça. Bon, bah apparemment il n'y a qu'une sortie, la tanière. Donc que du nouveauté. Nouveauté. Une sortie, N-O-U-V. Ouais, dit boss. Ah, je pense, oui. Fais chier. Mais je vais mourir. Mais vous allez mourir. Oh non. Ah, putain. Non. Aïe. Il y a un truc caché là dans ces murs. Je ne pourrais le savoir qu'en regardant des let's play de gens qui savent. Oh dommage, 60, j'avais fait je sais pas combien, beaucoup trop. Oh, je peux avoir le hood. La deuxième et la troisième attaque infligent des coups critiques si vous frappez au bon moment. Gardez le rythme. Mais c'est complètement une arme pour moi. Est-ce que c'est un énorme... Attends, parce que je vais la prendre évidemment. Je vais la tester au moins. Inflige un coup critique si vous frappez un ennemi dans le dos avec la sarbacane. Putain, c'est trop drôle. Alors, Oud. Oh, elle fait 2300 coups critiques. Attends, je vais la tester. Genre, comment ça se tape? Ça a l'air difficile à jouer. C'est surtout quand taper, je sais pas. Parce que le deuxième coup, j'arrive à l'avoir. Mais pas le troisième. Et du coup, tu laisses tomber... 1, 2, 3, attends. 2. J'hésite parce que c'est vraiment drôle. Ah, elle est vraiment bien. Mais apparemment, le loot tape plus fort. C'est ça qui me fait chier. Hein. Et si tu... Parce que tes couteaux, là, franchement, t'as juste 49 de DPS. Hein. Ouais, mais t'as vu les dégâts qu'ils font? Bah ouais, mais c'est pas énorme comparé à tes deux autres armes. C'est parce que, c'est parce qu'en fait, ils me permettent de commencer le poison. Et grâce au désespoir, en fait, je peux en faire plus. Bon, allez, je garde le désespoir. Mais oui, j'aimerais bien hein, qu'il soit plus fort. Mais du coup, tes larves, est-ce qu'ils permettent de dégager du poison? Ouais, les larves aussi. J'ai tout qui scale dessus. Ah mais t'as balancé. Ah. Ouais, je garde mon truc. C'est là, mon stuff est vraiment bien, hein, sans déconner. Hein. C'est. On va voir contre le boss. Mais voilà, mandoline, c'est rigolo. Mais je connais pas le timing. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette map? Oh là là, on est dans l'eau. Bon. Je vais me faire défoncer. Maman tique. Quoi? Bon courage. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Aïe. Pas très dur à esquiver, je sais pas même pas pourquoi j'ai pris le tir. Aïe, ok, j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je suis mi-vie là, mais... enfin, à sa mi-vie à elle. Qu'est-ce que c'est que ce bint? Et donc, ça, faut réussir à le faire sans prendre de dégâts. Ah ouais, d'accord, on adore. Là, j'ai ramassé, par contre. Meurs. Voilà. Fallait pas me saouler, madame. Oh, c'est quoi, ça? C'est une faux... La faux griffe gauche. Ça veut dire qu'il y a la faux griffe droite? Je suis un peu déçu. Pourquoi? Je suis trop fort? Bah, je trouve que, vraiment, tu l'as descendu très très vite. Ne sors pas de la salle. Je sais pas où est-ce que t'en es dans les 15 secondes, là. Dans les 15 secondes? Oui, j'ai 15 secondes de délai. Bah, je suis en train de ramasser le loot. Alors, ramasse le loot et tu reviens à gauche et tu montes. Ah putain, je viens de le voir. Bien joué, ça. Ah, mais comment? J'ai une idée. Ah putain, je vais pas y arriver. Non. Bon, alors, faut trouver un autre moyen.
Aïe aïe aïe. J'ai pas le troisième saut. J'ai pas de collier avec un troisième saut. Allez! Attends. Ah, presque. On va faire ça et on va faire ça. Non. Bordel de merde. Ouais, dommage. Je pense que je peux y arriver, mais. Ah non, je suis pas allé assez loin. Ah, c'est j'ai trop d'inertie. Enfin, de mouvement. Enfin, je sais pas comment on dit. Ah, peut-être de là en fait, si je me laisse tomber. Non. Je pense que je peux pas. Genre, avec toute la bonne volonté que je vais y mettre, je crois que je pourrais pas y arriver. Mm. Oh, oh putain, si, peut-être. Ah, bordel. J'étais presque. Oh. Ah, j'étais presque deux fois même, mais... Non, allez, colle. Mais colle-toi au mur, l'avance pas. Là. Ah, bordel, je pense que j'ai peut-être le truc, mais... Ah, putain. J'ai peur à chaque fois d'aller trop loin. Je sais pas, en fait. Hein. Je pense qu'il manque un... Ah, putain, non, il veut pas se coller, et là, j'étais bien haut, pourtant. C'est vraiment dommage. Non, je peux pas. Je pense que je peux pas. Ça fait 2-3 fois là que... Que je frôle le bout et j'y arrive pas. Non, je sais pas. Ah putain, non. S'il me manque un saut, je pense. Ou alors je vais pas assez loin. Il comprend que je suis encore en dessous. Après, y a peut-être rien, je pense rien. C'est juste que ça... Ouais, mais ça fait alcove, vraiment. Ouais. Une dernière fois et je bouge. Bonjour, bienvenue sur le stream Dead Cells, on veut voir ce qu'il y a en haut. Ah. Ah putain, bon j'y arrive pas. Ah ça me fait chier parce que j'aime bien tout ce qui est secret mais là j'y arrive pas. J'ai pas de troisième saut, j'ai pas le bon bouclier. Collier. Oh c'est même presque décevant. 15 minutes. Ça, c'est faire le boss sans mourir. Enfin. Ah, par contre, eux, ils m'intéressent. La forge légendaire. Ça, c'est bien, ça. Reforger les modificateurs, c'est non. Allez, on monte ça. Il faut 500 putains de trucs. Et la fou griffe gauche, inflige un coup critique si vous avez effectué votre attaque précédente avec la griffe droite. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est non. Oh, on repart sur Guet des Brumes. Oh non. Ah, attends, je peux monter. Sur autre chose, peut-être. Le cimetière du Val. Allez, go. Oh putain, c'était... Y'a que ça en DLC ? Non. Bon, peut-être qu'à la cimetière, il y aura une nouvelle porte, j'en sais rien. Et tiens. Un peu d'argent. Ah, c'est bizarre, il y a certains murs, je crois que je peux pas les monter. Genre, ils ont dit non, ne fais pas ça. Par contre, là, je me souviens plus des monstres depuis moult années. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. J'ai peut-être oublié la chouirette. Qu'est-ce que c'est que ces monstres?
Ah. Merde. J'avais pas vu l'autre. Mais arrêtez. Bon, ça va, je suis en normal, mais là, en difficile, j'aurais pris les trois coups, je serais mort. Genre... Bon, je sais pas où je vais, par contre. Ah, clé d'architecte. C'est pas moi qui l'ai, la clé d'architecte, ça c'est sûr. Attends, mais y a un truc là. Ah ah! Merde, cette porte est bloquée. Putain, je suis quand même tombé dans les pics, mais quel imbécile. Eh mais meurs toi. Ah, apparemment il y a un magasin ici. Go. Tu connaissais cette zone, bien? Après, elle est vieille, mais elle a été refaite depuis, non? Oh, c'est non, bien ça, l'aura de lacération. Non, mais c'est une zone qui a été ajoutée un peu plus tard aussi, ça. Ah ouais? Oui, il me semble. Alors, pour te répondre à la question du contenu du DLC, tu as bien deux zones et un boss que tu viens de battre. C'est tout? Ouais. Parce que bon, bah, y a la zone des champignons, là. La serre, le marais des fugitifs et le boss, la mantique, du coup. Bon, ben, on va essayer de finir le jeu. Des nouvelles armes. Ouais. Et voilà. Ok. Bah, pour 5€, ça fait chier. Bah. Franchement, le jeu de base, oui, quand même, n'est pas excessif, oui, mais... donc au final. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ça, pour 5€, ça fait chier. Après, oui, ils avaient dit que le jeu, ils le feraient de gratos de base. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Et comment on fait le géant là, d'ailleurs? C'est en difficulté. Ah oui, c'est en difficulté 14 000. Ah, le vrai boss final? Ouais, ouais. C'est en difficulté 14 000 et plus, quoi. C'est Peggy 10 000. Voilà. La clé du cimetière. Nous allons au sanctuaire. La 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 la. Putain, ça lagouille quand je reprends une porte. Hein. Ok, super, le truc qui sert à rien. Ah, mais quel con! On va augmenter Choumier. Ouais, ok. Là, c'est fort. Oh! Oh la vache. Oh, incroyable. Ah, au fait, je t'ai pas dit. C'est à quelle heure que je commence demain? Vas-y. 11h30. Putain. Parce que tu comprends, il a une réunion, donc il peut pas faire le groupe. Bon, point positif, j'ai ma soirée. Pas mal. Putain. Ah, le sépulcre oublié. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, attends, c'est pas Bonjour Tivius? Non. Je sais plus. Ah, c'est quoi ça? J'ai des nouveaux trucs. Réseautage. Ah, je meurs. Ça me plaît pas. Qu'est-ce que c'est ça, réseautage?
Ah mais c'est tellement fort mon truc autour de moi. Hein. Ah. Qu'est-ce qu'on veut? Peut-être un truc comme la chouette, mais en mieux. Ah putain, les ailes du corbeau. C'est fort, ça. Bah, ça aurait été bien pour avoir le truc pour monter. Mais j'ai un nouveau... grand-duc qui fait plus de dégâts. Ah non, c'est pareil. Mais c'est nul, ça fait pareil. Je vais pas l'acheter. Nique-toi. Merde! Le piège de ses mains. Y'a rien là? Non. Uhuhu. La 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 la. Tiens, un coffre. Non. Le bouclier d'assaut, je l'aime pas en plus, il avance. Qui a envie d'un truc qui avance? Bon, bah, je crois qu'il va falloir. Je peux encore bouger sur la map. Je claire un map ou pas de celle-là, je sais pas. Okay. Est-ce que ça vaut le coup? C'est la question. C'est de la lave ça. Oh, on va peut-être éviter de mettre les pieds dedans. Qu'est-ce que c'est que ce gemme là? Attends, c'est pas ça qui débloquait le giant? Amener ce gemme en plein milieu là? Si peut-être hein. Ah la caverne. Attends, j'y vais là-haut. Au DL. Attends, là j'y vais au. Je sais plus. Ouais. Et la caverne, c'est un super niveau de ses morts. C'est quoi, réseautage? Les ennemis avaient des flèches plantées dans le corps, partagent 24% des dommages subis. Putain, c'est balèze ça. Enfin. C'est faut jouer ben, comme je fais quoi. Avec le petit couteau et puis paf, pif, pouf, pif, paf. Putain, je peux avoir ma lame de la fragmentation. Voyons voir ce que ça donne. Ah mais c'est... Ah mais ça fait des... Ah elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle fait quoi? 961 de DPS, projet de fragments métalliques, 30% sur les cibles qui brûlent, les victimes brûlent en mourant. Je suis bien dans ce que je suis, là 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 là. Voilà. Ah, je suis trop fort là, c'est hallucinant. Allez, go. Après, je l'ai faite qu'une fois cette map. Je sais plus trop ce que ça donne. Ah, tu l'as faite qu'une fois. Ouais, j'ai faite qu'une fois. Pourquoi? Okay. Pourquoi? De souvenir, c'était. Enfin, bon, après, t'es en difficulté normale, donc ça devrait bien se passer, mais. Elle est chiante. Ah ouais? Ouais. En fait, tu te souviens pas que j'étais bloqué, j'avais fini le jeu au moins 3-4 fois, mais avant, et j'avais pas le truc de la tête en fait, et j'étais bloqué à cause de ça. Ouais. Donc, oui, le jeu, je l'ai fini 3-4 fois, mais le jeu, il y a longtemps quoi. T'as fini. Oh là là! En difficulté. Il est malade. Ah oui, c'est une caverne où tu peux tomber dans le vide. Ouais, je le sais. Ça, je le sais. Ça, par contre, ce mob, je m'en souvenais pas. Aïe! Oh, ça dure. Oh putain, il fait des bombes et. Qu'est-ce que c'est que ces monstres de ces morts? Il a niqué la batterie. Là, je peux tomber, donc on va éviter. Ah! J'aurais bien voulu un croissant. Bon, vu que c'est une map que je connais pas, on va essayer de faire les fonds et les tréfonds. Et même les trifonds tournesol. Meurs. Pourriture communiste. Coup pour compléter ta blague. Oui. Tintin. Attends, mais il y a un marché là-bas, je l'ai pas vu.
C'est quoi? Oh, ils vendent de la main, du manger. Ils vendent des baguettes. J'aime bien comment s'écrit la croissant. La baguette. Ah, c'est le baguette en plus, mais quelle bande de cons. Et les gars, c'est français, arrêtez de vous foutre de votre propre gueule. Aïe, aïe, aïe. Où je vais, là? Je sais pas. Là, 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 là. Oh, super! Une tenue de fête. On va pouvoir faire la fête. C'est quoi, ces monstres? Mais là, y a rien. Bravo. Bah, bravo, Neil. C'est super pour la caméra. Je te remercie. Bah, c'est foutu, mais c'est pas grave. Hein. Oh, bah, t'es vraiment que sale petit con. Hein. Putain, mais c'est dingue. Olé. Vite, non, je voulais avancer pour. Aïe, 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 aïe. Et ça picote un peu quand même. Hein. Merde. 4, 4. C'est ça. C'est les dégâts qu'on veut, ça. Du 4. Il prend pas des lois, lui. Ah, il les prend que de face. Ah. Je explique cela. La croissant. Putain, c'est chiant ce monstre là. Oh, non. Comment on les tue? Enfin, je veux dire, sans être au corps à corps en train de mouliner la tête. Ils sont chelous. Hein. Ouais, les mains. Et merde. Ah, un coffre. J'aime le coffre. Le coffre. Oh. Est-ce que c'est un signe du destin? Oh merde. Bon allez. Ah ouais, quand même. Ouais, tant pis. C'est tant que je suis bien, j'apprends pas. Il a de bonnes stats, hein. Ouais, je sais, mais tant que je suis bien, j'apprends pas. Et là où je serais, on va dire, vraiment moins bien, ben là, ouais, je commencerai à me dire, bon, allez, on change de stuff. J'arrête avec mes couteaux de mon cellule. Et... Attends. C'est quoi, ça? Oh. J'avais oublié que tout voulait me tuer dans le jeu. Mais quel imbécile. C'est ça. Putain, quel boulet. Bon, moi j'ai averti les gens, hein, sur Facebook et tout. Je suis nul à chier, venez pas me faire chier ou quoi que ce soit, je suis nul. J'ai joué au jeu, mais il y a beaucoup trop longtemps, moi. C'est, je connaissais la première version, pas les nouvelles. Quoi, ces espèces de gros bassins de lave nuls? Oh putain, il est pénible. Aïe aïe aïe. Ah, il renvoie les projectiles lui quand il tourne. Bonne nouvelle. YOLO! Ça? Qu'est-ce que c'est cette ours? Je sais pas parler. Oh, super, la tenue de l'armure de glace. T'as du cosmétique, j'en ai, mais alors les autres plans. En même temps, j'ai pas pris la Pokéball. J'aurais pu. Ah, mais non, j'étais pas parti pour ça. Par contre, va falloir qu'à un moment donné, je prenne la Pokéball qui coûte 10 000, qui fait chier, et que je capture le monstre qui m'a dit de capturer. Pourquoi il y a un si grand vide? Des fois le vide sert juste du vide à masquer. Ouais, je sais pas, c'est chaud. Merde, j'aurais pas activé ça. Vraiment bizarre cette map hein, quand tu penses. T'as débloqué toutes les runes. Bah, je ne sais pas, j'ai envie de dire oui. Au hasard, j'ai envie de dire oui. Alors que je pense que ça serait bien de dire non. Oula. Oh la vache.
Moi je pense. Attends, comment je peux le voir ça d'ailleurs? Info? Ah, c'est pas mal ça. Non, je sais pas comment je pourrais le voir ça, tiens. Il y a les succès. Ah, les succès? Ben non, je crois que je les ai tous faits sauf les trucs vraiment très difficiles. Genre finir le jeu avec l'épée. Et... avec l'épée de base et le bouclier de base, je crois. Finir le jeu avec l'épée maudite. Ah non! Putain. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans le jeu sinon? Je sais pas. Enfin, normalement. Normalement, il y en a que 3, si je dis pas de bêtises. T'as le. La vigne, le truc pour se téléporter et le truc pour péter dans les murs, non? J'ai plus. La vigne, c'est la liane. Ouais. Le truc pour se TP, c'est les sarcophages. Ouais. Et le pas, truc pour péter le sol, là. Le truc pour péter le sol. T'as le truc pour le mur, là. Bah, c'est ah oui, c'est vrai, je l'ai, le truc de l'araignée, ouais. C'est vrai. J'avais complètement oublié de ça. Putain, je vais me faire niquer par les. À chaque fois que je vais les toucher, ils vont taper dans le sol et à chaque fois je vais faire nier. Ah. Ah bah peut-être falloir commencer à soigner. Ouais, je sais plus. Je sais plus combien j'ai de. Oh, putain. L'enfer de ce monde de ses mains. Ouais, bah dans ce cas-là, je crois que j'ai tout, ouais. Ils ont dit qu'ils en sortiraient plus tard. Non. Bon, c'est pas peut-être, s'ils ont dit qu'ils en feraient d'autres plus tard, mais... Des runes? Ouais, ouais. Ou alors, ils vont peut-être faire. Mais pourquoi t'as pas pris le cristal, Eric? Quel cristal? Avant de prendre l'ascenseur, t'as ton ennemi là que ça fait exploser, t'as laissé un diamant avec des sous et il est devant toi, il est gros, il est totalement pas du tout de la même couleur que le reste. Pas du tout de quoi tu parles, moi. Il y a un truc pour descendre, il y a un truc. Je vais y arriver à parler. Le truc pour descendre est en chelou, donc on va continuer. Je vais la sortir. Oh! C'est quoi ça? Retraite stratégique. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas où je vais, mais alors j'y vais. Et puis comme il faut. Et à chaque fois, je me ferai avoir par les oiseaux. Oh là, mais c'est quoi ça? Mais nique-toi, meurs, voilà. Oh là. Ah, bête! Bon, ça devient un peu le bordel, j'ai peur. J'ai peur pour ma vie. On va prendre de la vie. Ah. Bon allez, on va prendre un arc. Oh putain, je peux pas l'acheter. Elle coûte tellement cher. Mais elle coûte tellement cher, c'est indécent. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Attends. Ah bah il y a toute une map, et en plus il y a du rouge, donc ça veut dire qu'il y a un autre marchand. Elle coûte tellement cher. Mais elle est tellement bien. Qu'est-ce que j'étais content de débloquer cette merde. L'arbalète de glace aussi, elle est bien. Genre vraiment. Enfin, moi j'aime. Je la trouve forte. Ah mais c'est en dessous là-bas. Ok, on y va. Ah tiens, j'avais pas vu celui-là en passant. Pourtant, j'essaie d'avoir l'œil là-dessus, mais... Merde. Ah, j'ai esquivé pour une fois. Oiseau de merde. La 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 la. Je sais pas pourquoi je prends ça, parce qu'au final la chouette c'est le même dégât. Bon bah apparemment faut descendre. C'est peut-être la fin de la map là-bas. Si je crois que c'est là. Là où tu descends, c'est là où... C'est la fin de la map. Je sais pas. On va voir. Repère du gardien. Ça a l'air d'être ça. C'est
fait quoi ça? Ah ah! Ok, il y a un truc ici. Ouais, avec une rune spécifique. Oula! Ah, mais je peux monter! Oui! Ok. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Oh là! Waouh, des dagues jumelles qui puent, parce que j'aime pas le truc de je prends plus de dégâts, mais les gens aussi. Oh, les dégâts. Ouais, ouais, mais c'est parce qu'il y a le dégât x2, mais tu prends x2 aussi. Et je déteste ça. C'est fort, hein, ça, j'en conviens, hein, mais j'aime pas ça. Hein. Je veux pas prendre de risques inutiles. Putain, il est 2h, j'avais dit 2h, j'arrêtais. Je vais au moins essayer de finir la run. Je pense que je suis pas très loin. Enfin, je sais pas. Ah, mais attends, armure de glace, c'est vraiment... C'est pas du cosmétique. C'est un pouvoir. Applique une armure de glace sur les héros qui absorbe une attaque et explose en gelant les ennemis proches. Si aucune attaque n'est absorbée, l'armure explose au bout de 8 secondes. Putain, c'est pas mal. Mais la tueuse de géants, ça a l'air bien. Inflige un coup critique si la victime est un élite ou un boss. Non. J'avais dit la sarbacane, allez, je vais la compléter. Je vais remplir mes pots. J'aime bien remplir mes pots. Et puis, sauvetage de l'or, ça peut être bien aussi. Voyons comment ça tire. Parce que si c'est meilleur que... Mais c'est forcément meilleur. Ouais, ça fait du poison. Donc ça va encore mieux avec... Oh là là, c'est trop fort. Ça fait pas de poison. Je suis con. C'est pas grave. Je peux reforger pour qu'elle fasse de... Ouais. Les tirs laissent une traînée de flammes. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a un truc pour le feu quelque part. Ouais, mon aura de lacération. C'est pas mal. C'est bon. Allez. C'est bon, je peux empoisonner quand je veux. Allez. J'ai gagné. C'est bon. Je pense qu'aucun boss ne va me résister. Le repère du gardien. C'est un boss, ça? J'imagine. Ah oui, bah oui. C'est un boss, oui. Oh non. Oh non. Khaled. Bon, allez, c'est parti. Je vais lui éclater la tête. Enfin, je crois. J'espère. On va laisser la vidéo. Coucou. Le gigant tue. Comment faut le tuer, lui, déjà? J'ai oublié. Apparemment, ça le fait rire. Ah oui. Bon. J'avais oublié que c'était lui, le boss. Mourez. Ok. Il perd pas de vie, est-ce normal? Ah, faut d'abord lui péter les mains, non? Je sais plus comment il fonctionne, ce boss. Je crois que c'est ça, faut d'abord lui péter les mains et... Ah, voilà. Et après, il y a Loïc qui arrive. Ok, c'est bon. Deuxième phase. Aïe aïe, on va se soigner un petit peu. On va pas faire le con. Hein. Ah mais je lui mets vraiment misère. Hein. Ouais. Mourez. Allez. Aïe. Oh. Non, on soigne.
Ouh la vache, j'ai failli mourir. Enfin, je sais, j'ai vu ma vie partir très vite. Mais il est mort. Mais il est facile ce truc. Non, je déconne. J'en ai chié. Eh ben, je sais pas. Est-ce que t'as fait gaffe à son visage qui se décomposait au fur et à mesure du combat? Ouais. Je l'avais déjà vu la première fois que je l'ai fait. Il fait un piss, non? Ou un fuck? Ouais, voilà, un fuck. On va se faire strike, bref. Eh, hey, c'est quoi ça? Tenue du Gigantus classique. Non. Une pelle. Non. J'ai fini le jeu? Ah non, il y a le château après? Oh non. Il y a le château, oui. Bah j'aurais pu prendre le... J'espère que je vais dropper mon truc. Où je vais, là? Où la salle du trône de suite? Quoi? Soit je fais le château, soit je fais la salle du trône. Attends, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse, là? C'est comme tu veux. Mais je sais pas. Le château... La salle du trône, c'est la fin du château? Attends, je vais revérifier la je carte. Je sais plus. Carte. Parce que si tu peux de suite aller à la salle du trône, c'est quand même balèze. C'est je finis le jeu attends, et puis attends, basta. Attends. On va regarder la carte. Ouais, vas-y, merci. Alors. Tu viens d'être. Je viens du repère du gardien. Et c'est salle du trône ou château de Haute-Cime? Ouais. Normalement, c'est le château de Haute-Cime qui mène à la salle du trône. Ouais, donc c'est d'abord le château, après la salle. Mais du coup, ouais, t'as accès à la salle du trône directement, là. C'est comme un raccourci, on va dire. Ben, est-ce qu'on fait d'abord le château ce boss-là. C'est comme tu le sens. Il y a peut-être là, des plans, allez. Comme tu veux. Ouais, on est bien. C'est parti. Il y a que la Sarbacane qui pue un peu, là. En même temps, quand t'arrives à un certain moment, t'as juste une arme. Ah ben en plus, j'ai bien fait. Oui, c'est ça, c'est la salle du gardien. En battant le boss, te permet d'avoir le raccourci. C'est une carte actualisée avec le DLC. Et je peux avoir... Oh non! Non! Il me manque une cellule pour avoir la tenue de fête. Elle demande qu'une cellule. Je la veux. Je veux devenir un pain d'épices. On dirait que tu peux devenir un pain d'épices. Je veux devenir un pain d'épices. T'as aimé cette carte en fait. Ah merde, j'aurais dû revoir mes... Enlever le munition x2 et prendre autre chose à la place. Bon, c'est pas grave. La la la, faisons le château. Voilà, c'est exactement ce monstre-là, là, avec la grande lance qu'il faut que je farme pour... Le plan qu'il me faut. Après les flèches elles lancent du feu. C'était pour ça, non? Qu'est-ce que c'est que cette grosse épée moisie? Aïe aïe aïe! Salut! Eh! Hey. C'est bien ça. On va prendre plus de 3% de plus. Ça peut toujours être utile. Putain, par contre, je m'en souviens plus du tout de la map, du château. Je sais que t'as des couleurs, t'as bleu, rouge et... Mais là, il y a un boss. Merde, j'étais infecté par le mal-être. Ah oui, c'est pour avoir des clés. Oh, putain. Voilà. Oh, on se calme. Il m'a fait peur lui. Bon, on se calme, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je comprends pas ce monstre. Tu te tais, tu arrêtes de faire chier. Merci. Oh là là. Putain, il fait chier. Merci pour les croissants. Merci pour les croissants. Non, c'était quoi? Pas de pitié pour les croissants. Ouais. Je suis con moi aussi. Pourquoi merci? C'est merci pour le poisson et pas les croissants. Oui. Aïe aïe aïe. Mais putain. Arrête ça toi. Ils veulent pas me le... Voilà. C'était bien ma phrase hein.
On a aimé. Lâche-moi mon plan, putain. Je sais que c'est toi qui me fous vraiment un nouveau plan. C'est le miroir à l'accueil qui me l'a dit. Oui, alors c'est lui. T'imagines le miroir? Oui, c'est lui. Là, je crois que dans le bouche, t'as les deux connards dans la... Merde. Dans le sang à taper. On va rester là. Eh merde. Putain, c'est pas possible. Vas-y, viens là, toi. Ouais, c'est ça, c'est les deux abrutis dans le sang. Ouais. C'est la chouette qui a tout fait, j'ai rien fait. Ouais, j'ai vu. Aïe, 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 les kits avaient de la grande portée. Putain, je prends des coups à la con. T'en as gagné. Et le feu, ça te fait plus de dégâts. D'accord. On va se calmer, Garen. Putain, j'ai pris des dégâts quand même. Vroom, 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 je cours vite. Et le lag. Merde. Oh, il y a un truc là. Ah, on peut reprendre du rouge. On veut le rouge, on veut les dommages. Je suis sûr que je vais pas avoir mon plan et je vais être très déçu. Arrête. Arrête de tourner, s'il te plaît. Ah putain, il a arrêté de tourner, oui. Oh, 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 oh. Vaille, tu te calmes. Attends, c'est quoi ça? Truc blanc. Ah, c'est une porte. Mais c'est bon, j'ai déjà fait la porte. Ah ah. Waouh, une grenade incendiaire. Youpi. Alors, gros système. J'ai oublié d'utiliser ça un peu trop souvent. Dernièrement. Oh, il y a deux élites. Ok, c'est parti. Ouais! Je les ai atomisés, je crois. Mais alors, je crois. Non, il est pas bien, celui-là. Hop. Est-ce que tu as vu la vie des élites? Moi, j'en ai pas vu. Hein? Encore sur le talisman. Ah, putain, c'était avant, les élites. Ah, oui, oui, ça, oui. C'est incroyable. Allez, la porte verte. Putain, ils vont pas me le lâcher, mon plan. Je veux mon plan. Je sais même pas ce qu'il donne. Je suis sûr que c'est un truc pété. Non, ça, c'est de l'argent. Je veux pas de ton dessin, Cathy, 6 ans. Nous, on veut de l'argent. Attends, je crois que j'ai loupé un truc au sol. Non, c'est bon. C'est quoi, ça? Encore une élite? Putain, moi qui devais en faire 100 sans mourir. Bon, j'ai beaucoup de clés. Je peux pas trouver beaucoup de serrures. D'ailleurs, en parlant de clés, je suis en train de commencer Lock and Key là. Ah, la série Netflix. Eh ben, c'est pas ouf, ouf, parce que je sais pas vers quoi ils veulent aller, mais c'est pas ça. Je l'ai pas encore commencé. Ben, ça se regarde, mais c'est pas génial. Bah, comme la plupart des séries Netflix sorties récemment, j'ai envie de dire, franchement. Ça dépend. Mais non, ça là, enfin. Je pense qu'elle peut être bien, mais il manque énormément de profondeur, ça, enfin, ça manque de choses. Je sais pas s'ils ont hésité entre une série pour ados et une série fantastique, ouais. En fait. Ah, oh, mais quel abruti. Et un mur. Mais là, j'attends Disney Plus dans 15 jours, là. Ouais. Comme ça, au moins, j'aurai les séries Marvel qui arrivent avec Loki, WandaVision et compagnie. Ah. Il existe des séries à suivre justement par rapport au prochain Marvel et qui suivront ensuite.
Ça, c'est chiant, par contre, qu'il fasse des trucs pareils. T'auras mes accès. Ah, ok, super. Merci. Bah, franchement, pour deux fois moins cher que Netflix, on peut mettre 7 comptes, donc... Ah ouais, quand même. Mais oui. Bon, ça reste du Disney+. Bah, Disney+, il y aura tout Disney, tout ce qui... Bon, toi, ça t'intéresse pas, mais tout ce qui est Star Wars, tout ce qui est aussi Marvel, Fox, il y aura beaucoup de Fox. National Geographic... La Fox aussi, genre les Simpsons et tout. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Oh, je peux prendre la fête. Oh, je veux la fête. C'est vrai, j'ai la tenue de fête. Mais bon, on verra plus tard ce que c'est quand... qu'on aura fini. Bon, on va reprendre le sauvetage de l'argent, parce que 25 000, c'était bien avant. Est-ce qu'on refonte ça? Non. Est-ce qu'on refonte ça? Non. Est-ce qu'on refonte ça? Non, surtout pas. Et ça non plus, non. Et la meule, je sais pas à quoi ça sert. Genre, je l'ai jamais utilisé, vraiment. Ben, c'est surtout que les phrases qu'il dit sont en mode « Ouais, non, c'est pas... Enfin, » je sais pas. Oui, on réinitialise. Oui, je veux enchaînement. Je veux nécro et je veux... Je sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux prendre? C'est quoi? Mais les top ennemis au corps à corps, le ralenti. Bah, c'est bien, sachant que je suis toujours au corps à corps. Arrachage, c'est fort aussi. Inspiration du chasseur. Non. 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 Bon, ben, ça va être très vite fait. Ça va être la mêlée. Ou réduit le délai de réutilisation des compétences. Ah ouais, 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 ouais. Je vais tout le temps faire LT, ça va être fort. Ah, on se soigne. Avant le boss de fin. Enfin, le premier boss de fin, du moins. Putain, c'est dommage que j'avais pas le même stuff en difficile. Je pense que j'aurais pu gagner le jeu. C'était vraiment très fort. Bon alors, est-ce qu'on va on va l'euthanasier, lui, Francis. Eh, mais y a plus le type. Quand tu vas le rebattre. Putain, ce qu'il ramasse. Pour l'instant, là, je vois que le robot. Ah merde, j'en ai pas utilisé ça. Ah, je prends des dégâts aussi. Je fais un peu n'importe quoi, c'est vrai. Merde, je viens de la réinvoquer. J'arrive pas à esquiver ça. Meurs. Bon ben voilà. On va je pense se quitter là-dessus. On va retourner au... Oh, impact tellurique. Alors. Clic. Arrière-salle. Ouais voilà. Alors, en fait, je pense que, oui, c'est là la suite de la suite de la fin. C'est, il faut difficulté 5. Et bon, je l'ai dit au début, mais je vous le rappelle. Quand on finit le jeu en normal comme ça, on gagne une cellule. Je vais vous la remontrer très vite. Attends, parce que je crois qu'il y a un truc dessus. Eh bien, non. Ouais, en fait, c'est dès qu'il y a... En gros, c'est comme un New Game Plus pendant 5 ou 6 fois, 5 fois. Et dès que le New Game Plus 5 est passé, une fois que tu combats ce boss que tu viens de battre, là, il y a accès à une ou deux nouvelles zones, je regarde là. Deux zones. Et la dernière, c'est le vrai boss final du jeu, mais pour ça, il faut vraiment être en New Game 5 Plus. Hein, vous m'avez compris quoi. Ouais. Et donc en fait à chaque fois qu'on tue le boss on a une cellule et la cellule nous file de la difficulté plus 1, plus 2 et après ben il y a le... désolé pour les... Ah putain, désolé pour les crédits. On les aime beaucoup chez Motion Twitch.
Et donc on revient ici avec tout ce qu'on a, donc mon argent et mes cellules. Ah merde, les cellules par contre ça m'arrange pas. Bref, et quand vous avez fini le jeu en mode normal, vous pouvez le lancer en difficulté plus 1. Et quand vous le finissez en plus 1, vous avez le plus 2, et voilà. Et je suis bloqué au plus 1 parce que je suis nul. Oui, c'est ça. Et j'essaie de compléter tous mes pots petit à petit, j'adore. Ah, il y a la mandoline en dessus. Et je vais changer mon habit pour finir avec l'habit de fête. Donne-moi l'habit de fête. Elle est très bien. Elle est très rigolote. Elle me va comme un gant. Bref. Et eh bien sur ce, c'est un stream un peu à la sauvette. On va en refaire. C'est dit. On va en refaire quand moi j'ai le temps, en fait, le soir, quand je suis tout seul, comme un grand, dans mon ordinateur. Donc on va peut-être faire un ou deux de Dead Cells et reprendre très vite des jeux peut-être un peu plus longs. Est-ce qu'on dit le prochain qu'on compte faire ou pas? Non. D'accord. Il faut qu'on rediscute de tout ça pour établir exactement le plan. Donc, Pas de souci. Et ben dans ce cas-là, ben quand on reviendra, ça sera sûrement sur du Dead Cells. Voilà. On essaiera de faire, maintenant que je me suis remis un peu plus en jeu, on essaiera de faire la difficulté 1. J'y viens d'y essayer, parce que vous l'avez vu, je suis nul à chier. Bref. Ben sur c'était ce, chouette. oui. Comme je disais, c'était chouette. Ben, tant mieux, si ça t'a plu. Et si aux autres aussi ça va leur plaire. On verra. Donc ouais, ben sur le coup, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Hop, la souris qui était en plein milieu de l'écran, c'est pas joli. On vous souhaite une très bonne nuit, vu l'heure. Ouais, n'hésitez pas Vu à l'heure, la bonne suivre nuit. Ivason Studio sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez faire des dons où vous voulez sur Helloasso et Streamlabs. Et les streams, surtout abonnez-vous, parce que vu que c'est des streams comme Yaki l'a dit à la sauvette, si vous êtes abonné, au moins vous êtes notifié. Ce sera beaucoup plus simple. C'est vrai. Bon, bah sur ce, la bonne nuit. À toutes. Ciao.